Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarev. Dans ce reportage vidéo, nous parlerons de la production, des moteurs, des machines-outils, de l'outillage et de bien d'autres choses intéressantes. Ce n'est pas par hasard que nous tournons notre vidéo à cet endroit-là. Ici, vous pouvez voir un assez grand nombre de moteurs de dimension 100 à usage industriel général. Cependant, ce ne sont pas tous les moteurs qui sont présentés ici. En fait, nous en avons beaucoup plus à notre disposition. C'est sur la base des boîtiers de ces moteurs standards que le moteur de dimension 100 à usage industriel général avec des bobinages combinés SLE20K de chez Sovelmash à Paris. C'est ce moteur que nous allons utiliser pour présenter la ligne de production qui se trouve maintenant ici. En fait, il y avait beaucoup de difficultés au cours de sa configuration et ce n'est pas encore complètement terminé. La principale chose à noter est que cette ligne nous permettra de travailler avec cette dimension spécifique de moteur, mais il y a une nuance. L'outillage chinois qui a été installé sur cette ligne de production ne convient pas à notre modèle de moteur. Par conséquent, il a fallu effectuer un certain nombre de modifications, d'adaptations et de changements afin de commencer à travailler dans cette direction. Nous avons également dû faire face à des difficultés inattendues. Le contrôleur de l'une de nos machines, notamment de celle-là, est tombé en panne et nous avons dû en commander un autre en Chine. Il nous a été livré, nous l'avons installé et là encore, il y avait un problème, à savoir que les réglages de ce contrôleur étaient conçus pour fonctionner dans le cadre d'une autre machine. Eugène Douyunov en dira plus sur tous ces problèmes et vous indiquera à quelle étape se trouve le travail de mise en service. Bon visionnage! Bonjour chers spectateurs, collègues et partenaires. Nous sommes maintenant près de la ligne de production de Stator de moteurs électriques asynchrones. Les travaux de mise en service de cette ligne pour la fabrication de packs de moteurs de dimension 100 sont presque terminés. À ce stade, nous pouvons déjà vous montrer le fonctionnement de la première machine de cette ligne qui effectue l'opération d'installation de l'isolation des rainures. À ce stade, nous pouvons déjà fabriquer nous-mêmes le ruban pour l'isolation de rainures et dérouler le rouleau à la largeur souhaitée en utilisant notre propre équipement. La prochaine étape sera la mise en service finale de la machine de rétraction des bobinages, pour laquelle il est nécessaire de fabriquer quelques pièces importantes et ensuite elle sera complètement prête à fonctionner. La machine de frettage ainsi que celle de formage intermédiaire et de formage final sont déjà prêtes à l'emploi. Par conséquent, nous attendons bientôt le lancement d'essai de la ligne de production et la préparation des moteurs fabriqués sur cette ligne déjà pour les tests en laboratoire afin de confirmer toutes les caractéristiques. Nous sommes maintenant à côté de la machine de frettage qui effectue le cerclage des parties frontales du bobinage du moteur.
Cette machine nous a causé beaucoup de problèmes, car le contrôleur qui contrôle tous les mécanismes de cette machine est tombé en panne. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à effectuer des réparations par nous-mêmes. Par conséquent, pour une mise en service la plus rapide possible de l'équipement, nous avons dû commander un autre contrôleur auprès du fabricant chinois. Malheureusement, le dispositif livré avait été configuré pour un modèle différent de machine. Les paramètres internes ne correspondaient pas à notre modèle et tout le menu de ce contrôleur était en chinois. À noter que les systèmes de traduction automatique ne permettent pas de traduire correctement les éléments du menu. Par conséquent, il y avait quelques difficultés à adapter ce contrôleur à notre modèle de machine. Mais avec l'aide de nos traducteurs et de nos partenaires représentant le fabricant, nous avons réussi à réparer la machine et elle est maintenant prête à travailler dans le cadre de notre ligne de production. À noter que nous pouvons déjà effectuer toutes les opérations de fabrication de ces moteurs que nous prévoyons de lancer. Il reste à faire de petits réglages pour améliorer la configuration, de sorte que la machine exécute ses tâches de la plus haute qualité possible, et ensuite, elle sera prête à fonctionner. À la fin de cette vidéo, je voudrais vous présenter une meuleuse d'angle avec un disque de 230 mm produite par Sovelmash. Les éléments du boîtier sont fabriqués de manière industrielle. Ils sont notamment moulés à partir d'un plastique spécial. Ici, nous pouvons voir le logo Sovelmash et le nom Sovelmash aussi. Cet outil a spécialement été conçu pour fonctionner dans des conditions difficiles. Il est très fiable et durable. Les éléments du boîtier ont été soumis à des tests de résistance. Nous les avons frappés, fait tomber, jetés, etc. Cependant, même s'il n'y avait rien à l'intérieur, il ne craquait pas, ne se brisait pas et se montrait très résistant et fiable. Probablement, nous allons changer un peu l'apparence de ces éléments, car pour le moment, il s'agit de la première variante de ces boîtiers. À présent, pour la première fois, nous allons vous montrer une meuleuse d'angle assemblée exactement sous la forme dans laquelle elle sera réalisée de manière industrielle. Par conséquent, vous pouvez voir que le projet se développe non seulement sur le chantier où la construction, les travaux de terrassement et d'autres sont en cours, mais nous travaillons toujours à la création de lignes de production. Et malgré le fait que le BTOI n'est pas encore terminé, le processus est en cours. Des équipements technologiques ont été installés, nous parlons déjà de leur mise en service et du lancement de produits de notre propre production. Il s'agit notamment d'une meuleuse d'angle et de moteurs de dimension 100. Cependant, quand nous lancerons notre BTOI, ce sera encore plus intéressant. Eh bien, merci pour votre attention, suivez nos nouvelles, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et restez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet Sovelmash. Merci.